Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tu nous as donné l'autorité sur les mauvais esprits. You have given us authority on the wicked spirits. Dis en ton nom. In your name. Je ne veux aucune présence démoniaque dans ma vie. I don't want any evil presence in my life. Ni dans la vie de mes frères. Nor in the life of my brothers. Que tout esprit mauvais, tout esprit impur, qui s'est caché dans une vie, we command to any wicked and impure spirit which hides in a life. Même s'il ne s'est pas caché, qui s'est révélé par orgueil. Even if it is not hidden and revealed himself by pride. En disant que personne ne peut le chasser. Saying that no one can chase him out. Convaincu qu'il a déjà gagné la bataille. Convinced that he has already won the battle. Qu'il parte. Should go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis va-t'en. So go away. Esprit méchant. Evil spirit. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis, je dis bien au nom de Jésus-Christ. The demon, I say in the name of. Sors. Go out. Et va-t'en. Go away. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous envoyons le feu dans la forêt sacrée. We send the fire in the sacred le forest. Le feu dans les forêts sacrées. Fire in sacred forest. Le feu dans les eaux. Fire in water. Le feu sous les eaux. Fire on under le feu water. Sur la terre. Fire le feu earth. Sous la terre. Fire under le feu. Fire. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous cassons les forteresses. Partout où les démons se sont cachés. We break the strongholds everywhere. Partout où ils se sont retirés pour résister. Everywhere they hide to resist. Nous envoyons la colère. We send the anger. Et l'épée du Saint-Esprit. Of the sword of the Holy Spirit. Et le feu de Dieu. And the fire of God. Au nom de Jésus-Christ. In the name of nous Jesus. Démolissons la forteresse. We demolish your stronghold. Nous exposons chaque esprit impur au jugement de Dieu. We judge all the impure spirits. Maintenant. Now. Tu peux partir. You can go. Va-t'en vite. Go now quickly. Zete zekabana zekabana.
Gardez le calme. Please be quiet. Gardez le calme. Be quiet. Si on t'avait donné une maladie par envoûtement. If you have a sickness through bewitchment. Je bannis cet envoûtement. I punish this bewitchment. Je bannis cet envoûtement. I banish this bewitchment. Je déclare ta guérison. I declare your healing. Je déclare ta guérison. I declare your healing. Je bannis l'envoûtement. I punish je bannis l'envoûtement. I punish je bannis l'envoûtement. I punish my bewitchment. Et je déclare ta guérison. And I declare you are healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Au Christ. Nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, tu es délivré. You are delivered. Tes envoûtés délivrés. You are disbewitched. Par la puissance du nom de Jésus. By the power of the name of Jesus. Toute personne. Any person. Qui est devenue malade. Who falls sick. Par envoûtement. By bewitchment. Je bannis l'envoûtement. We punish Je bannis l'envoûtement. We punish Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Je bannis l'envoûtement. We punish Je bannis l'envoûtement. Je bannis l'envoûtement. Je proclame. Je proclame. Ta guérison totale. Ta guérison totale. Ta guérison totale. Je bannis l'envoûtement. Et je proclame. Ta guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute femme qui a été rendue stérile. Any woman who has become par envoûtement. Buried by je bannis l'envoûtement. I punish this bewitchment. Je bannis l'envoûtement. I punish this bewitchment. Je te délivre. I deliver you. Je te délivre. I deliver you. Des desseins de Satan. For the purposes et des hommes méchants. For the desseins de Satan. Purposes. Et des hommes méchants. The purposes of Satan oh non, and wicked men. Garde le calme. Keep quiet. Keta. Sors et va-t'en. Go. Même si c'est un mal qui a duré des années et des années. Even if it's something. Je brise le jour. Years and years. We break au nom de Jésus it. Même si ça fait des années. Even if it is since years. Je brise. We break it. Je libère. Va-t'en. Go. Toute personne qui est devenue malade. Everyone who fell sick. Parce qu'on l'a envoûté. Because he has been bewitched. Je déclare. I declare. Que par l'acte de crucifixion de Jésus à la croix. Through the crucifixion of Jesus. La guérison est totale. Your healing is complete. Esprit est pur. And sound spirit. Prends tes effets. Take your stand. Sors. And go out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Suivez la personne qui part en courant là-bas. Il y a quelqu'un qui est sorti en courant. There's someone who is running over there.
Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis que ce soit l'envoûtement par mes habits, mon sang, mes cheveux, my clothes, même my mon hair, mouchoir, ou bien le reste de ma nourriture. Or the rest of my food. Si j'ai mangé if I've eaten, et que je n'ai pas fini mon plat and I did not finish, et qu'on a pris pour m'envoûter, and it has been taken si to quelqu'un m'a offert if someone offers un objet me, ou la nourriture, something après food, l'avoir envoûté, after having bewitched it, si quelqu'un a pris ce que je lui ai offert, if someone took what I offered, l'argent him, que je lui ai donné, money I gave him, pour aller m'envoûter, to go and bewitch me, nous bénissons cet envoûtement. We punish this bewitchment. Bénis. We punish. Le Seigneur est en train de travailler. Soyez concentrés. The Lord is working. Sur l'envoûtement, sur l'envoûtement. Working on bewitchment. Le Seigneur me fait comprendre beaucoup ont été envoûtés par ce qu'ils ont donné. The Lord is making understand that many people have been bewitched through what they gave. Ce que tu as donné à quelqu'un. What you gave to someone. Il l'a envoûté. He bewitched it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous le brisons. We break it. Nous brisons. Tout envoûtement pratiqué sur les dons donnés done on our gifts par des hommes méchants. By wicked people. Ils ont pris le cadeau. They took the gift. Et ils ont envoûté. And they bewitch it. Et prends mon cadeau. They take my et puis m'envoûte. And they bewitch. Sors. Go. Sors. Go out. Dis, Satan. Satan. Moi j'ai obéi à Dieu. I obeyed God. En donnant. By giving. Et les démons sont venus. And demons came. Par envoûtement. Through being nous jugeons cela. Nous condamnons cela. Nous jugeons cela. Nous condamnons cela. Et nous proclamons la délivrance de tous ceux qui ont été envoûtés par les habits qu'ils ont offerts, par l'argent qu'ils ont offert. D'autres ont été envoûtés parce qu'ils ont accueilli quelqu'un chez eux, même une nuit. Some has been bewitched because they welcomed someone in the house, even one night. Oui. Tu héberges quelqu'un. You welcome someone. Et il veut te tuer. And he wants to kill you. Sors. Go out. Va-t'en. Go. Kurabakasharabakasharabaka. Tu héberges quelqu'un. You welcome someone. Et il te tue chez toi. And he kills you at home. Il dort chez toi. He sleeps in et your il t'envoûte. And bewitch il dort chez toi. He sleeps in your et house. Il t'envoûte. And bewitch Satan. You. Satan. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go away. Nous libérons la vie. We release the life. Nous libérons toutes les vies. We release all the lives. Que tu voulais bloquer. That you wanted to block. Que tu voulais bloquer. That you wanted to block. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Keep on praying. Que les blocages s'arrêtent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été enterré. Everything that has been soit exhumé. Is removed.
Et que les, chaque frère soit béni, chaque frère soit béni. And each brother is blessed. Et chaque âme délivrée soit béni. Every delivered soul is au nom blessed. De Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et écoutez. Listen. Qui est là pour la première fois? Who is here for the first time? Si tu es là pour la première fois, tu veux donner la vie à Jésus, lève la main. If you are here for the first time and you want to give your life to Jesus, put up your hand. Oui, venez, venez, venez. Come. Vous ne devez pas rester dans le camp du diable. You must not remain in the camp of the devil. C'est le moment pour vous de quitter le camp du diable. It's time for you to leave the devil's side. Vous-même, vous voyez la différence entre la lumière et les ténèbres. You can see the difference between light and darkness. Oui, venez, 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 come, vite. Come quickly. Lève-toi et viens, acclamez Jésus. Stand up and come, clap for Jesus. Acclamez davantage. Clap again. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus of Nazareth. On n'a pas fini, acclamez, étant concentré. Clap and remain focused. Il y a des gens qui doivent, ils sont encore en train d'arranger les bagages. Venez rapidement, où sont come les nouvelles? Come quickly. Donnez-leur la place. Et nous restons encore concentrés. Let us be focused. Lève ta main. Put up your hand. Dis. Say. Je bannis. I banish. Toute parole qui a été libérée contre moi. Any word said against me. Par des êtres humains vivants ou par. By living human beings. Ou par des esprits de mort. Or dead spirits. Dis langue perverse et mensongère. You say lie tongue. Tais-toi. Shut up. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dieu a dit. God said. Je bénirai celui qui te bénira. I will bless those who bless you. Vous savez ce que le diable a dit? Do you know what the devil said? Je maudirai celui qui te bénira. I will curse the one who will bless you. Dieu te dit. God is telling you. Je bénirai celui qui te bénira. I will bless the one who will bless you. Le diable se lève. The devil stand up. Il dit, je maudirai celui qui te bénira. I will curse the one who bless you. Donc, lève ta main. So put up your hand. Dis, Père. Say, Father. Que tous ceux qui m'ont fait du bien. Let all those who did good to me. Bénis. Be blessed. Et soient protégés. And protected. Qu'ils soient bénis. Let them be blessed. Qu'ils soient protégés. And protected. Que le malheur. Let no curse. N'arrive aucun malheur. Let no curse. N'arrive à ceux qui m'ont fait du bien. Happen to those who did good to me. Continue à les bénir, bénir, bénir. Keep on blessing them. Et écoutez. Listen. Quand vous entendez les gens dire. When you hear people saying. Que quand quelqu'un veut me faire du bien. When someone wants to do good to me. Il a des problèmes. He has problems. Ne dis pas ça légèrement comme ça. Don't do it lightly like that. It's very serious. Quelqu'un peut te dire, je viens t'aider demain. Someone can say, I will come and help you tomorrow. Dès qu'il quitte là, le diable l'attaque son pied, ça se casse. As soon as he leaves you, the devil attacks his leg and it's broken. C'est la loi là. Avec Dieu. With God. C'est je bénirai celui qui te bénira. I will bless the one who blesses you. Mais le diable. But the devil. Cherchez les gens qui t'aiment. Look for people who love you. Pour les attaquer. To attack them. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 12? What the word of God say in Revelation 12? Que Satan est parti faire la guerre à ceux qui portent le témoignage de Jésus. Satan has gone on warfare against people who bear the name of parce Jesus. Parce que tu aimes Jésus. Because you love Jesus. Le diable laisse tous les ivrognes. The devil leave all the drunkards. Pour te poursuivre. And pursue toi. You. Pourquoi? Why? Tu portes le témoignage de son. You bear the testimony il of Jesus. He knows que la main de Jésus est sur toi. That the hand of Jesus is on you. Comme Jésus l'a battu. As Jesus quand il quitte là, overcome him. Il cherchait ceux qui aiment Jésus.
He is looking for people who love Jesus. Prie avec foi. Pray with faith. Que tous ceux qui t'ont fait du bien soient bénis. That all people who has done good to you should be blessed. Et tu verras qu'ils vont augmenter en nombre. You will see that they will grow in number. Nous proclamons. We proclaim. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous ceux qui nous ont fait du bien. Everyone who did good to us. Sont bénis. 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 Et qu'aucun malheur n'arrive à aucun de ceux qui nous ont fait du bien. To none of them. Que le plan de Satan, that the plan of Satan, qui consiste à maudire, à attaquer ceux qui me bénissent, which is to curse and attack those who bless que ce plan me, soit détruit. We destroy this plan. Que le nombre de ceux qui m'aiment augmente. Let the number of people who love me increase. Que le nombre de ceux qui me font du bien augmente. Let the number of people who do good to me increase. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Car il est écrit. Because je bénirai celui qui te bénira. Bless the one who bless you. Et je maudirai celui qui te maudira. And curse the one who will curse you. Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ, Jesus Christ, le Fils de Dieu, the Son of God, mort à la croix du calvaire à Golgotha, enseveli, ressuscité le troisième jour. And rise Jésus de Nazareth, Jesus Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, il est vivant, il est vivant. He is alive, he's il opère les miracles aujourd'hui comme he hier en Palestine. Today, as yesterday in Palestine. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Acclamons parce qu'il revient. Let's clap because he's coming back. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Il revient bientôt. He's coming soon. Il est vivant. He's alive. On l'a crucifié. He has been crucified. Il est mort à la croix. He died at the cross. On l'a enseveli. He was buried. Le troisième jour. The third day. Il est sorti victorieux de la tombe. He got up from the grave. Il a dit, and he said, voici, je suis avec vous, I am with you, tous les jours, every day, jusqu'à la fin du monde. In the hand of God, Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Merci beaucoup. Thank you very much. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Nous voulons quelques témoignages de ce soir, quelques témoignages. One short testimony about the prayer this afternoon. Frère, hier. Brothers, yesterday. C'était dimanche, n'est-ce pas? It was Sunday. On avait débordé. We went beyond the time. Et Dieu a prolongé la soirée pour ceux qui ont le discernement. And God Himself prolonged. Il y a eu une lumière jaune vers ici. There was a yellow light qui a redonné l'aspect de 18 heures. Qui a remarqué ça? Ça nous a permis de continuer jusqu'à 19 heures sans problème. Which allowed us to continue till 7 without problem. Donc, qui a un témoignage? Who has a testimony? Ne craignez pas. Vous voyez, Dieu coordonne. Fear nothing. Je suis missionnaire entre l'Angleterre et la Turquie. Le Seigneur m'a délivré ou a délivré ma maison de l'envoûtement de la visite. Une personne qui était venue nous rendre visite a failli nous envoûter. Le jeudi, ma fille a pris une borne. En ce moment, j'étais à l'église. La nuit, quand je suis rentrée, j'ai vu la bonne et j'ai eu une vision pendant mon sommeil où c'était transformé en chat noir. Je dis ça pour que vous insistez par rapport à cette prière que le pasteur a dit, l'envoûtement par rapport à des personnes qui nous visitent. Cette fille était une sorcière. Elle était venue le jeudi. La nuit, mon mari et moi, on a su. Vendredi matin, cette fille est tombée dans notre maison devant la porte. Nous avons appelé son père et on a demandé à son père de l'envoyer ici pour la délivrance. Donc, ça existe. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fatim Uebi, missionnaire numéro 2 à Bianoua.
dans le sud Comoué. Gloire à Dieu. Effectivement, ce que papa a dit, c'est la vérité, frère. J'ai hébergé ma cousine et une autre personne chez moi. Elles étaient des sorcières. Elles m'ont fatiguée. Elles m'ont humiliée. Frère, de suite, là, quand papa a dit que tu peux héberger quelqu'un chez toi et puis il va t'envoûter, je suis tombée. Alléluia. Amen. Et j'ai vu la petite, elle s'appelle, elle est sortie la première. Et les frères m'ont envoyé derrière. J'ai vu ma cousine sortir de moi. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Tam Marguerite, missionnaire numéro 2. Gloire à Dieu. Mon fils, maman Esther Bachi. Je vais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré. Hier, quand on a prié sur les esprits des serpents. Quand j'ai fait le songe, dans le songe, c'est comme j'ai vu un serpent vert qui s'est mis sur le mur et il voulait avaler le crapaud. Et j'ai vu un jeune qui est venu, il a tiré sur lui et il est tombé. Sa tête était coupée, on a découpé. Et tout de suite, quand on entendait prier, papa a prié pour dire que si tu as été envoûté par la nourriture, il faut dire que j'ai été envoûté parce que j'avais eu une arrêt qui m'avait calé dans la gorge. Et il y a un monsieur qui a craché dans ma bouche pour que cet arrêt s'arrête. Et il faut que j'ai été envoûtée. Tout de suite, quand on a commencé à prier, on m'a envoyé. Je suis allée derrière là-bas. Les frères ont prié pour moi. Il faut que j'ai vomi tout. Amen. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré de cet envoûtement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la seule à voir ta vie. Je préfère les disciples, le frère Obuna Jonathan. Je vais rendre toute la gloire à notre Dieu qui désenvoûte. Je vais lui rendre toute la gloire. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement. Il faut dire qu'il y avait une femme qui était venue une nuit chez moi. J'ai loué ma maison et elle est venue pour dire qu'elle va dormir chez moi. Qu'il n'avait plus ce jour-là. Donc, quand j'ai vu cette dame-là, il dit, bon, tu vas dormir chez moi aujourd'hui seulement. Donc, elle a dormi le matin. Elle est partie à 5 heures. Vraiment, lorsque le pasteur Ménier a donné le sujet de prière, vraiment, j'ai vu cette dame-là et je suis tombée. Je rends toute la gloire à notre Seigneur qui m'a délivré de l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Yo, maman Noufoua. J'ai pour faire des disciples passer à Achille Grodji. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour 3 opérations qu'il vient de me accorder ce soir en ce lieu. Premièrement, je commence ma grande sœur l'année passée. Ma grande sœur est venue vers moi. À chaque moment qu'elle se déplace, elle me dit qu'elle est venue, qu'elle est partie au village parce que depuis je suis sortie, je suis dans la souffrance. Et lorsqu'elle venait, elle avait dit qu'ils vont dormir ailleurs. Et arrivée à la gare, elle m'avait dit qu'elle a envoyé présent d'aller prendre. Arrivée à la gare, ils ont changé d'avis. Et le monsieur, le vieux qui était avec lui, le vieux, elle a enlevé le médicament noir pour donner à le vieux. Et le vieux lui disait, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Elle dit d'accord. Arrivée à la maison, elle a détaché cette tige de femme qui s'en va faire marcher pour me donner de attraper. Un coup, la chose m'a piqué. Et ça, c'était comme tout ici était mort. J'ai commencé à être, la chose marchait dans mon corps. Mais arrivé un moment, je suis devenu faible dans la Bible. Premièrement, elle me dit, il ne faut pas trop gêner. Quand tu gênes, tu meurs dans le gêne, ce n'est pas bon. Et moi, je lui ai dit, si elle meurt, elle sera dans la gloire de Dieu. But. Mais aujourd'hui, le Seigneur, lorsqu'ils ont commencé à rendre les témoignages, un côté là était mort sur moi, et puis ça, tout ici faisait mal. De même manière, la chose m'a piqué, c'est venu et c'est sorti. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bénis le nom du Seigneur Jésus pour ça. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Koudou Ange Jédia. Il y a pour finir ici pour maman Marguerite Lombé. Je voulais dire finalement merci à Dieu parce qu'en voulant la prière, je crachais beaucoup quand les frères rendaient témoignage. Mais de fur et à mesure, comme ça, c'était une brûlure de ma poitrine qui m'arrive beaucoup. Mais quand je me suis levée, il voulait passer boire l'eau. Dieu a commencé la guérison totale. Je voulais dire finalement merci parce que Dieu a fait disparaître cette douleur-là. Mais on voit la prière. Amen. Amen. Suivant, tout droit au but, pardon. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Esmel Melem Léonie, mon faisait de disciples, c'est le pasteur Nguessa Mathieu. Je suis dirigeante dans la localité de Dabou. Vraiment, hébergement par envoûtement, c'est vrai.
quand le pasteur a dit, quand on héberge l'homme, ils envoûtent, il y a un esprit qui m'a fait tomber. Et quand on m'a amené, ils ont interrogé l'esprit. Et l'esprit m'a dit que oui, elle est dirigeante, elle m'a hébergé, j'étais une sorcière. Et puis je l'ai possédée, je voulais la tuer. Et puis on l'a chassée, il est sorti de moi. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Offrande d'acclamation, Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Merci. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Grand-Marie-Ange. Mon frère est ici, c'est le pasteur Camille Fan. Je dis merci à Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement. Il faut dire que mon ventre me faisait mal. Et ce soir, quand papa a dit, il y a des gens qui sont envoûtés. Il faut dire que j'ai commencé à crier. Et l'esprit disait, je m'en vais, je la libère. Et j'ai été guérie totalement. Acclamation. Amen. Clap. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Edwige Yoro. Mon frère et disciple, c'est le pasteur Kwao Emmanuel. Je suis de San Pedro. Je dis merci au Seigneur qui m'a délivré, ma famille et moi, d'une prison spirituelle. Lorsqu'on priait par rapport à la forêt, le pasteur disait qu'on prie pour voir le feu dans la forêt, le feu dans l'eau et tout ça. Quand on a prié que Dieu envoie le feu dans la forêt, j'ai vu la forêt dans laquelle mon âme était sortie, la forêt Zadémé. Le feu rentrait dans cette forêt et il y avait un gros serpent, un python qui était enroulé. Sa taille dépassait la forêt même. Et le feu a pris cette forêt, le serpent brûlait. Il brûlait et le feu a pris dans toute la forêt. Jésus. Ceux qui étaient dans la forêt sont sortis pour aller s'aligner au bord de la forêt. Et vraiment, je dis merci au Seigneur qui nous a délivré ma famille et moi de cette prison spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je suis la sœur Clotilde Ake. Je vous faisais des disciples Vosanik. J'adore Amakori. C'était pendant que le pasteur prêchait. Il a parlé de la lecture biblique et les visions claires. Donc, pendant ce temps-là, les livres qui vont, la vente pastorale, là, Dieu mettait en cœur et puis me montrait les livres, que c'était des grâces, des bénédictions. Quand les frères payaient pour les autres, ils faisaient des ventes pastorales. Il y avait des bénédictions qui s'en suivaient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Que les pasteurs s'occupent des nouvelles âmes. Que la grâce du Seigneur t'accompagne à la maison.